إيه تنزل في اللون تزول في اللون ذحميان ذبحان لكن مثلا مسكن مثلا القبائل اللي راه إذا ربعت غمرنا الدونيس نوديو لينا كرابيت أنا عمي هذا الديبور مانيفيك أتصدق سميد عنده ذرع ولي هو عندك أنا رذا أجوف لكم تجوف لون لا خاصة كاين نغاب شي طوح في اللون الله غالب سي تسواث أوبليجي هذا الشغل اللي ساير غابة شي طوح أتصي دي سقسان سنين أو ثاني ميرتين ون تبا حد تم قران ثاني ميرتين ون سوى تس إيخ قارنك تخوص دا تخوص دا تخوص دا دي لي لايف أي ثمي ثمي شو دا دايب تقول أنا تبضى تبطين صالح الديس تقول أتصي قلان شابليس خصيت كان لي ميكرون وندير لها انايا نوان وليد متر بركان الزول في لون دحميان الو رجلوك مره في لون فريمون صافي شغل كار يكون وين يدي سقسان في اللي الطاس لي ميساج ومنا ثورا بلي كوبريز تيد شي لي كوبريز نصوا باي لي ما ذوي قال ما ذوي قال يتسفن هذا شنين الزرا ما مالك فوالا الوغ الساقي بون ولا سي ديرني طون فريمون سي شو لاكتواليتي زين صفراحن فريمون زين صفراحن او تقد تساو وهذا كنت ربي انا ما كن مكون دنيا انا ما كنت اريد الاولى جوناج دون لو بونور ثولا تو سكو جو ديزي 2019 2020 à un moment donné, je le ferai Emmanuel Wahdi, tout le monde, couchez-vous. Tu le fondes. C'est un plaisir, ma toi, les racailles. Elle me tuerait de se faire le fanil le danger. Chassaknik, ma façon de voir les choses, ma façon d'analyser les choses, c'est un peu trop tard. Parce que le coin en 2019-2020 est d'un train. A coup, il y a d'un train qui est d'un train. أهاث أودي ضروري على البطلة كاين وترون ثلاث يماثين وترون ونورابا دي كونداني أمور وسرقانا لا كابيلين و سورتو سورتو جو تي أدريس أن ميساج بيان أفون دو كومونسي لو لايف أن ميساج كي سور دو كار إي كيما ثنا دكتور سعدي كيما سعدي توي البيلي On le veuille ou pas, je suis fan de toi et je sais que tu es sur la bonne voie. Tu aurais dû réagir depuis longtemps. C'est ton devoir parce que c'est ton devoir. Je suis sur ta mesure, c'est l'échelle internationale. Je suis sur ta mesure, c'est ce que j'ai dit. Je suis sur ta mesure, tu étais parmi les bons acteurs. Ça a été le temps. Mais rien qui est trop tard. C'est le mort ou le temps. C'est ton devoir à sa gagne de se lever pour veiller ni voir qu'il n'a pas ni mention parce que le danger est à main le danger qu'il a à l'intérieur manipulé par des forces étrangères extérieures le danger des lois ou est-ce maintenant alors on est un tessant on est un ou le fait maintenant sur les secrets à fous surtout chini et oui il est nommé كون ويدا دي كون ويدا دي صارون كون ويدا دي ربان ذا بريد ونين ظفر ساقي وخت جمال اجري بردان ساقي امذا نمي كذا كي لقص نتا المري ممكن سنين فوا بورتوت ذا ناخ دي قيم عندك مزروي زري ضاينا كي تخدمو سي سبعين على ميدا ساقي ادوينا تخدم التورا شوكا سي مون بوان دو فيو اطويل اكيد اكيد يرنون ذي الشر ذا مقران ما تصوفيض لك بليسيت سواتي شو فهمت اكيد الله راه شتقو طارة في الكوان هاد سعد دي غوالي واثمث لنا ادي اسنين اكو الزول اماد وليد اماد متر بركان الطاسي ديولين مسيو تحمد وقيل لي لاوسي فوالا ثاني مرة نتا بالقران تا الزول في لون دحما انا قراتو غرد ليكيب متر بركان الزول في اللاك الزول عليك بونسوار تو الموند بيانفوني نوتر امي فنك مرحبا بك أبا فينك مرحبا يا سي نعم الزول في اللون الزول كرمثنا في اللون
Allez, on te d'Armayen. Tu n'es pas seul, Amérous, nous sommes tous derrière toi. Merci, Je suis Darachid. contre l'injustice. Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je ne recule devant rien. Surtout derrière les terroristes. Je suis un antiterroriste, je suis là, je donnerai mon âme et mon corps. Ben, merci, Darachid, merci, Tu n'es pas Tchamkarat. seul. Nous sommes tous des Amérous. Je suis vraiment ravi d'entendre ta voix aujourd'hui, ça fait longtemps, alors, presque 2 mois, hein, C'est réciproque. C'est réciproque. Eh ben, merci beaucoup. Si c'est pour le combat de l'Algérie, il est clair que je me battrai pour ma dernière goutte de transpiration et que mon cœur battra jusqu'à la dernière seconde pour l'Algérie Eh ben, dans sa merci. globalité. Eh ben, merci, frère, merci. Merci, Fénac. Walid, awal Merci, bonsoir. Effectivement, nous sommes là, nous avons toujours été là et que le combat se poursuit pour une Algérie unie et indivisible, pour une Algérie plurielle et pour une Algérie dans toute sa diversité. En fait, la diversité est une richesse. Nous sommes là et nous serons toujours là jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Donc, je laisse la parole à nos amis et après, au fil des discussions, on va développer nos idées. Et encore une fois, merci et bienvenue tout le monde. Eh ben, merci, Aït Ahmed Waqil Issoub, Salam Radio Ghal. Voilà, Walrorik, Maître Berkane, Walrorik, Egma. Oui, à Kinsel. Bonsoir, je vous donne salam alaykoum. Je suis très content d'être parmi vous, comme d'habitude. Je suis très content de partager des moments pareils. On s'échange des idées, on discute, ça veut dire à bâton rompu, en toute liberté. Oui, à Kinsel, mais Maître Berkane. Encore plus à l'aventure. Hein? ولكن سلالة مليح نعم نعم ولكن سلالة مليح اه وي بيان سور اون فوا موا لا فاكتور با دو سوسي اه متر بركاني صوب تخصيت لا كوليكسيون جو كومبرون بارفيتمون Eh ben voilà, apparemment, il y a des bonnes nouvelles. L'actualité est trop chargée ces derniers temps. Je dirais aussi un grand bravo pour le secrétaire général du FFS qui a réagi aussi. Alors normalement, les partis traditionnels, il est temps qu'ils prennent les choses en main, hein, de dire stop. الرفراف ذي ثمورة القبائل الرفراف بسيكولوجيك الرفراف بوليتيك فوالا ماتشي الرفراف داكسيون وينا ورا هذا نصور راس Amirouche, une parenthèse s'il te plaît. Amirouche, nous sommes suivis des quatre coins du monde. Donc il y a nos amis Fabrice qui vient de Fabrice Boiteux qui vient de nous rejoindre à partir des Antilles. Il y a Joël aussi qui vient de nous rejoindre. Il y a le Fenech. Et malheureusement, eh ben, ces hommes-là, il y a d'autres qui sont dans le en bas, dans le commentaire. Ils sont pas kabylophones. Si on peut s'exprimer, ne serait-ce que en petit français pour qu'on puisse faire partie. Participer tout le monde. Merci. Bien sûr, Egma, tu prends les commandes, hein? Tant que tu es là, alors vas-y, prends les commandes. Alors, Egma, l'aigle, il est là. Ah oui, c'est une raison pour laquelle tu n'as pas besoin de ça. Tu nous manques. Akli, j'ai accepté ton invitation. L'aigle, Azoul. Ah, ya habibi. Ah, ouais, mais j'ai que les gens de l'Ouak. Mais ça m'a fait plaisir, mais quoi là,
Il te pose une question directe. Je suis direct dans ma vie de tous les jours. Bien sûr, Egma. Et je serai comme ça. Je suis sincère et honnête. Et j'affronte. Donc, je vais vous poser une question à mes regards. On m'a dit des trucs comme ça. Et il te pose la question. Vous me répondez. Là, ça sera même si je n'y aurai pas qu'il y a. Bien sûr, Khamra, la vérité, Egma. Pose-moi la question que tu veux. Je suis là à te répondre dans la transparence. Je ne sais pas, je pose d'abord la question ou je vais faire un petit commentaire sur la situation actuelle de Nord Kounios, il Zahiri. Allez, vas-y, pose-moi la question d'abord. Ça m'a choqué. Ah ouais. C'est pas possible, Nias. Bon, personnellement, je ne le connais pas. On a discuté dans ces lives et tout ce qui s'en suit. Nias, je ne pense pas, Nias, on peut faire une bêtise une fois. Ça arrive à tout le monde. Même les grands hommes du monde entier, ils en ont fait. Ah, mais tu sais, je vais te répondre d'une façon vraiment très simple et directe. Normal. Jack de répondre. C'est le rêve de beaucoup de personnes. C'est le rêve. Mais Amirouche, il a des valeurs, il a des principes. J'ai tout sacrifié. Je peux me permettre de dire, il a des bassiouen, je passe du coca là, parce qu'il a une gacté de dîner. Il a extinu, il a mis le haram, il a mordi sordien, il a tsnada fait sordien. Nous connaissons tsnada fait nive de l'haram, à jouer ce nier. ناس ما تساعد الحقناس ولا ما ظلمض ناس تبتنا في صور دين وسايا غيرها إلا قد شعور ناس إلا قد شعور صور دين ناس ما كل يولاد إلا فين وسارة C'est pas possible. Vous les mettez durant des heures peut-être. Ah oui, c'est sûr. Certains missionnaires, c'est le rêve. C'était vraiment clair, mais je voulais l'entendre de votre bouche. C'est ça, C'est malheureux, un d'arissaouan, farhat a dit les kelbes, un d'arissaouan, ou ralf kouveiliyin, et salit à l'élaïve marocain. Elle est dérigmet le kouveil, elle est dérigmet il djaïriyin. Yubouyouen, hachakoum, hachak barkoum, ou d'karan, respect, ou il disme hassan et tout. Hacham Nisma, bon, Régma, et nous là, je suis contre le Hagim, mais des fois, on ne peut pas être un Génois qui fera des Rioun, Karim Chigivara, Karim Sah, Karim Chigivara. Ah oui, de plus, ou Karim, d'Habibi Oumide. Oula, que c'est vrai, là. Oula, je le sens. Ah oui? Le sens. Ah oui, tout là, oui. Tout là, oula. Ah, et Balak de la connexion, mais normalement, ça va. il a passé 11 ans de l'université, nous c'était un génie de l'Iraq. Qu'on peut pas être un génie de Montanal. Ah oui. Donc, il y a un live marocain,
العار 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 صاحبي يخدمش سقفي العار. الشيخ كوكويا قيل لا ديرنيير فوا يولي راه لا يو ماروكا ايناس اسمح لي عندي رونديفو مع لا توش بريتين توش مشتينا هني يو ثاكن اني مالوريزمون ايش واش دي نو ماروكي في قبيلي ايناس شهير ايه اسمح لي وهذا في الدنيا غير كي دينا ايناس شهير نمدريك لي بيراجيرفاتيف ولا نمدريك حبوب بن علي حامد ماروكي حاشم الاسماء ان بور دي لا سيال اوفير هضرنا في قبيلينا كاينين اه لطيف دونك دولا لا سيتياسيون اي غراف يا بلو يا 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 با يا با ليو دو ديتر باسيف ترى 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 اقمع اقمع لاقل باش نفكوا لي ويا ضرب يد ما سايي طرق وعبار اسمي دي ينتقل السكرتير جنرال دو اف اف اس ينتقد السعيد سعدي اي تما قلت ينتقد يا لونطون على وين ينتقد يا لونطون سي تا تا سي دي ينتقد نو سي ميم لي بوتي جون يخدم لي لايف يتوزا اسني لي اثاني مرسل وين سام قرانت خاصه كنت تشي لي ديك والدي ديراباج ولا قرا مي سي با غراف اون ابرون سي لا في سي كوم سا اون ابرون تو لي جور مي زورا سي فريمون رونفورسي سي رونفورسي جوري مي ادي ضروا واش تاكي اون 2020 اكاكي انا محويا كو زرع نسنين فوا بور توت لا كابيلين لا كابيلين نو زابارتيان لا كابيلين نو زابارتيان لا كابيلين نار ما تشي بوكاداكي وكاداكي سون تيكسكلو زعما تولا دوموندين محمد سيس هذا شنو في كان تيران هذه نار روحنا زغنا في منزل هذا كملنا هذا كملنا السي هذا اشفو جا هذا الشيء اللي في لي ريزو سوسيو partis politiques, ils ont accusé un retard terrible. Exactement. Mais parce que c'est de leur devoir. C'est de leur devoir de défendre la nation. C'est de leur devoir d'être à l'avant-garde du combat pour la consolidation de l'unité nationale. Non, surtout, agmar, parce qu'on se croit heureux. Surtout pour éviter tout son malheur. Il s'est dit, c'est mortel de couvrir les gens. J'ai le cœur qui saigne. Après, où est-ce qu'il larve? Il se rend même sacrif de milliers de kilomètres pour rendre visite à leurs enfants. Ils sont innocents ces jeunes-là, sacrif. Ils sont manipulés. C'est pas de leur faute. لسون اي لا لسون نورمالمون اني تهضيت مثلا مي لا لسون غالا اي يخص الشيطو ها بالك الوركي اذا قلت شو لي كومونتير غادي ندير الغاشي مي لا يخص الصوت غالا الفكوال قيل لي هنا قال لك الفكوال متر بركان داكور شتاتو هاتو تالير صحيت رجو اقل سيل فو بلي Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, je réponds moi aussi à votre question. En fait, voilà. Et effectivement, il n'y a pas que Amir Roche qui a été accusé de maquiste, voilà, dans une campagne sournoise et traître. Voilà, je répète, je mesure mes mots. C'était une campagne, nous avons tous été accusés de maquiste. Ben, en fait, voilà, nous, l'histoire, nous la connaissons, l'histoire de l'Algérie, nous la connaissons. Après, bon, ces gens-là, ils sont en train de se faire démasquer un après l'autre. Et moi, je vous pose la question, l'un d'entre eux qui nous a accusés, qui est-ce qui l'a défendu dans un live des maquistes? C'était des maquistes qui l'ont défendu. Nous avons des preuves vivantes que le monsieur a été envoyé par le MAC, il a été défendu par le MAC quand nous l'avons démasqué. Et nous allons tous les démasquer, ils sont d'ailleurs démasqués, nous avons tous leurs dossiers. Nous sommes Algériens, des aides, de bout en bout. Nous ne vendons pas notre âme au diable, ni pour de l'argent, et nous savons tous qui a orchestré cette opération. Nous n'avons pas répondu parce que nous avons jugé utile de ne pas répondre aux imbéciles, parce que nous sommes porteurs d'un projet de société. Nous sommes des nationalistes algériens. Nous ne sommes soumis à personne, ni au MAC, ni à quiconque. Donc, ces gens-là, nous avons observé la politique qui dit
La caravane passe. Eh. C'est ici que j'arrête. Voilà, je ne prends jamais, je ne prends jamais ce qu'on me découle de l'argent comptant. J'ai attendu à ce qu'Amir fasse un live. Je lui ai posé la question directe. Il m'a répondu. Et tant mieux. J'ai préparé plein de sujets à discuter avec Maître Berkane, Walid et tout ça, Darachid, toute l'équipe et Ouguéda Diallin Nevon. Alors, Emala, ça tombe bien, on commence par ce sujet-là. Avec Maître Berkane, on va retracer ce qui s'est passé par rapport à la pétition. Et il y a des fois où le gars a mis rouge, il dit, oh, le mag, etc. Pourquoi? C'est la pétition. La pétition a fait vibrer beaucoup de personnes parce que j'ai eu déjà une discussion sans dire lesquelles avec un grand monsieur, un grand militant de notre cause de Karar et Smith. La pétition, il n'y a rien qu'avec la pétition qu'on peut leur fermer leur bouche au niveau des instances internationales. Il n'y a rien d'autre. C'est un dossier contradictoire qu'on doit déposer au niveau des instances internationales. Voilà le but de la pétition. Alors, Ouzmernera, ils vont lui donner de l'ampleur encore. Alors, à chaque fois, je garde les infiltrés. Attention, faites très attention. Le MAC et la désinfiltré qui font tout pour infiltrer le système, pour infiltrer les services algériens. Zama, ils sont contre le MAC, mais tout en défendant le MAC d'une autre manière. C'est une technique. Je vous laisse Maître Berkane vous expliquer encore, vous donner encore plus d'explications sur ça. Khatar, j'ai défié quelconque a dit demain au départ. C'est bien Maître Berkane a dit une enquête à qui pour te mettre sur cette voie-là. Au départ, il se donne la pétition. Cette pétition, il joue en faveur du pouvoir. Cette pétition, il veut prouver au pouvoir algérien toute la Kabylie, les marques, mais c'est un win-win-house. Ou alors, Khamenez, parce que ça joue contre eux, ils touchent le pouvoir. Nézni, ils sont en train d'infiltrer le pouvoir. C'est contradictoire. Achoudinem, mais avec la pétition, ils jouent en faveur du MAC. Vraiment. Alors, Dimdou Kalensen, c'est des maquistes, mais c'est des maquistes, soi-disant algérianistes. C'est plus profond, hein. L'avent algérianiste, gmen le MAC normal, mais Nézni travaille en faveur du MAC, mais à 100%. À 100%, parce que ma de nier à l'instant, je défie quelconque. A dit demain, le communiqué de la pétition, il y a un passage où ça parle en faveur du MAC. Je défie Kinmelen, ou qu'il a dit, c'est un immense chadement, t'as sorti dans les réseaux sociaux. Mais, à voir, alors qu'un maître Berkane, c'est un immense tocla, ouais. Azoulé, habibi. Azoulé, on a commencé le dame. Avant de d'aborder ce sujet, je voudrais dire une chose déjà. La première des choses, je suis vraiment désolé, qui n'est personnellement jamais l'air de Firik ou petit l'air de Firik à Améroche. C'est l'air de Zéthique. Bien sûr. Deuxième chose que je voudrais dire, un point d'ordre, j'aimerais bien assigner les invités qui interviennent de respecter un peu le temps imparti pour leur intervention, parce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, donc je pense qu'on ne doit pas monopoliser la parole pour qu'on donne le temps aux autres de s'exprimer. Voilà. Pour répondre à ta question, déjà avant Samid, l'équipe elle existe toujours, elle existera. Non, les live, non, je m'explique. Oui. Ouais. Ah,
parce qu'on va, on a fait exprès de s'éclipser un bout de temps pour voir la réaction des gens, un manipulé, tout simplement. Mais bon, c'est un jeu d'enfant pour nous. Et pour revenir à tes questions, oui, c'est vrai. Ceux qui sont à le Mac, pour contrer la pétition de Nar, ils ont abattu ça. C'est un, on l'a si bien expliqué que la pétition, c'est l'acte de décès du Mac. Mais c'est clair, il attaque frontalement la pétition, il ne peut pas parce qu'au contraire, il va encore lui donner de l'importance, de la crédibilité, de la visibilité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait actionner des soi-disant anti-maquistes, alors que c'est des vrais maquistes. Smahia, qu'on a mettre, qu'on a gizma, qu'on a wazla, c'est tamad. Le coin de signe de chou et de la profondeur des choses quand on parle. Ou sinon, il ne sait pas lire entre les lignes. Mais là, c'est une dernière. C'est un référendum. Aqla kun tkhdem ma c'est un référendum el mak. Li bghas ndini. Bel aqla kun vous êtes démasqué. Kim la wali. Pour dire ils savent pas lire entre les lignes. Déjà d'abord, ils doivent savoir lire les lignes. Pour lire entre les lignes. Eh oui. Alors, Nakit, pour s'attaquer à notre travail, pour s'attaquer à l'initiative citoyenne, d'ailleurs, on va revenir sur le travail qui a été fait actuellement, plutôt ces derniers jours, par l'initiative citoyenne avec preuves à l'appui. Je dis, nous connaissons toujours avec des preuves, on ne parle pas à cas. Comment le FPS a réagi, pourquoi le CTT a réagi en même temps. À qui a fait le travail de sensibilisation. Yes. Ils assument leur responsabilité historique et politique en même temps. Ah oui. Bon, nous allons battre notre Smith. Mais on aborde ce sujet, je vais apporter des clarifications. Donc, Niagit, pour mieux ça, j'allais dire, s'aborder la pétition, première des choses, qui a été fait, je l'ai toujours dit, heureusement que les lives existent, hein, ils sont enregistrés, j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui m'ont approché personnellement pour faire partie de l'initiative citoyenne, dans notre cadre de l'EPOS. Ma réponse a été, okay. Je la répéterai toujours, Niagit, qui a été l'électro-ménageur, je nous allais, l'EPOS, les chaînes stéréo. Donc on n'a pas de poste, nous sommes que des animateurs, on n'a pas de chef, nous avons qu'un seul chef, c'est la déclaration, c'est la motion de la pétition. On est guidé par cette motion, tout simplement. Sinon, quand ils n'ont pas pu infiltrer l'initiative citoyenne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi une autre optique, c'est de parler en tant qu'anti-Mac et de critiquer la pétition. Et d'inventer n'importe quoi. Ils se sont ridiculisés. Au contraire, d'ailleurs, de télé-live, je te disais, Amir Roche, mais heureusement, les enregistrements aussi, je te disais, je vois des gens qui soutiennent la pétition, mais je ne vois pas leur signature. Ouais, tu l'as dit exactement. Je me rappelle. C'était des signaux que pour avertir les gens, il y a des choses qui se passent. Faites attention, ne croyez pas tout ce qui se dit dans le live là. Il y a des gens qui peuvent vous induire en erreur. Il y a des brebis galeuses. J'ai dit que la pétition Yangui, ou plutôt le travail de l'initiative citoyenne, c'est comme une centrifugeuse. C'est ce qui s'est passé. Donc, nous avons fait un travail remarquable. Nous avons, j'allais dire, débusqué toute personne qui se cachait derrière la fallacieuse étiquette d'algérianiste. On les a démasqués. Les lives là, les lives là, TV1, donc les intellectuels, des grands serpents politiques, les services, tout le monde sait. Zarel, pour ceux qui, ah oui. Ceux qui se disaient qu'ils ont quitté. Ceux qui se disaient qu'ils ont quitté le Mac, non, ils n'ont pas quitté le Mac, ils n'ont pas quitté, ils ont fait croire aux gens qu'ils ont quitté le Mac pour infiltrer les services, carrément. Ouais. C'est pour ça que j'étais un peu brusque ces derniers temps avec eux. C'est pour se rapprocher. Oui. Qu'est-ce qui se passe? De leur offre de service à qui pour leur donner de fausses informations. Les gens dans le service d'information, c'est pour les inviter hors que les services soient connaissants. Mais Jenten explique pour voir un d'avant à Sauron Wiki.
bien sûr, je Dans sais. un il y avait une personne que nous avons vraiment, on l'a débusqué, on a rendu public son identité du collège. Qui l'a défendu? C'est les maquistes. Bien sûr. Une campagne de défense par les maquistes. Donc, on a expliqué grosso modo pour ne pas. Je dis qu'on ne doit pas monopoliser la parole, donc ce n'est pas moi de la monopoliser. Donc, notre travail continue, on est sur la bonne voie. Il n'y a que la mort qui peut nous arrêter, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Barker. Partagez-les. Tu m'as fait un tu donnes la parole à quelqu'un d'autre. Tu gères. Voilà, donc, on salue notre ami et notre frère Mounir Chaba. Il est nationaliste algérien résident en Suisse. Il est de la wilaya de Mitéa. Il nous rejoint aujourd'hui. Nous le saluons. Voilà, nous lui souhaitons la bienvenue parmi ses frères algériens. Voilà. Si vous avez quelque chose à nous dire, Mounir, à vous la parole. Merhaba bek, Mounir Khoya. Merhaba bek. Bienvenue. Allah yisalmak Khoya. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà. À ceux qui sont avec nous sur live, vous, plus fort en tant qu'invité, ou ceux qui nous écoutent, tahta, salam alaikum, rahmatullah. Je préfère laisser quelqu'un de sage et de, comment on appelle ça, ceux qui sont avant moi, quand ça viendra à mon tour, je rentre sur la parole. Si vous ne voyez pas d'inconvénient. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, frère Mounir. Reste avec nous, frère. Animez comme ça. La parole c'est Ahmed, c'est ça? Ahmed avec ma volonté. Azoula mon frère, comment va? Comment va? Ça va bien? La basse, ou le vlak, là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Exactement. Justement, je vais aborder un petit peu un sujet. Parce que il faut dire des vérités, les vérités, vous pouvez dire des vérités, mais ça reste toujours, c'est des échanges, c'est comme ça qu'on peut, bien sûr, avancer, etc. Parce que personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas, on attend des lives, etc., quel que soit, des fois, ceci, cela, mais tes lives ont toujours à deviner, ils apportent toujours quelque chose de nouveau, on a quelque chose de là à lire. Bon ben, d'un certain moment, qui dit franchement, j'ai été étonné. Franchement, mais Roche, parce qu'il faut qu'on se dise des vérités aussi, hein. Bien sûr. Mais sans recul, bien sûr. Sans recul, parce qu'en politique, on doit se dire des vérités entre nous. Oui. Qui dit ça, enfin, je ne vais pas dire ça m'a fait mal, mais je vais dire que je n'ai pas compris le truc qui était très mal. J'ai essayé de l'expliquer, j'ai essayé même de temps en temps de Nekatvara, d'aller à l'Imdoukanagina, Bachad d'aller, bon malheureusement, Wilkaran, Bachad d'aller à Orson, etc. Mais sinon, j'ai pas compris. Pourquoi? Parce que ça a fait mal à beaucoup de gens. Et peut-être tu l'as ressenti, mais peut-être il y a des gens qui te l'ont dit en privé, à la Hadja Kagina, même Imdoukanagina, moi je me rappelle que j'ai discuté même un peu de. Mérachid, je vais exprimer mon mécontentement par rapport à ce qui a été dit, par rapport à Turkmen, qui franchement, pas de choses. Parce que quand on est habitué, nous sommes des gens qui sont contre un projet. Donc à un certain moment, effectivement, maintenant, si c'est Zmeran Farak Giverdin, mais toujours est-il contre le projet, mais toujours est-il contre le projet, qu'il n'y a pas de qu'il le voit. احمد احمد اجمع مولا شو غيليف اش تقول والله ما فهمه دو فادرو بوتيني دو سي كوا ابري تو راه ما ريبونس ديريكتومون ها كيني جو ماش با مو فوالا Ah, d'accord, que nous sommes là actuellement. Eh bien, ça tombe bien que tu es là parmi nous pour entendre la vérité sur ça. Hein? Voilà, c'est par rapport à ça. Pourquoi? Ça m'a fait mal parce que dans un certain moment, on marchait dans le même truc, c'est-à-dire même l'architecture, mais c'est toujours le même but. C'est le but. Non,
capacité de je peux me permettre Mona Chouralif, je peux me permettre de répondre sur ça rapidement pour jusqu'à un petit mot, bah, je termine. Parce que on était habitué. On était habitué à colonialisme du combat. Et c'est que le moment où c'est le moment où il y a un malentendu. Tu vois, ce malentendu a généré un petit peu. Voilà, il y a un vide, par exemple, le vide d'il y a deux mois. Un des où lèche les lives, le live. Par exemple, ça a engendré quand même des petits soucis, etc. etc. Merci Ahmed Agma, c'est une très très bonne question. Je viens de parler de ça avec Maître Berken, on a donné des explications. Nous connaissons le problème c'était quoi? C'était la pétition. La pétition, c'est vraiment, c'est le ça passe très lourd à le Mac, parce que rien que la khatar de faire les lives, c'est juste pour parler. Il faut des actions avec moi. Tu vois, on est dans une situation, soit tous frères, exactement. Alors, nous connaissons une fois d'abri la pétition, c'est pour tout le monde. On n'est pas, toujours, je suis membre parmi mes frères. Tu vas être après le Mac. Le Mac, la seule personne qui a fait la pétition indirectement, dans une déclaration, c'est le président du Mac. Il n'y a que ça, au niveau de l'international. Alors, mais le Mac, il a reçu des directives pour ne pas parler de la pétition, pour ne pas donner de la crédibilité, pour ne pas se montrer qu'ils avaient peur de cette pétition. Il a chargé ces ex soi-disant militants qui sont toujours maquistes, d'accord, je viens de le dire directement en live, je défie quelconque à dire le hedge of la pétition yagi est en faveur du Mac. Alors, à chaque fois, au départ, ils ont mal calculé le coût. Au départ, n'est-ce pas que la pétition, le pouvoir algérien, pour aider le pouvoir algérien de prouver que la Kabylie, il est avec le Mac, il n'est pas avec l'Algérie, pour massacrer encore la majorité de notre jeunesse, ou à l'intina, ça va leur créer des problèmes avec le... avec le système, alors avec la pétition, et le Mac. Là, au contraire, grâce à ça, c'est pour ça qu'on n'a pas répondu à ces gens-là. On est resté observateur de voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ces gens-là, c'est des maquistes algérianistes. Ils jouent la carte algérianiste, mais au fond, ils travaillent pour le Mac. Ils ont fait le travail à la place des vrais maquistes pour casser la pétition. Disney, leur but, c'est quoi? Il a carré la pétition à qui? À savoir, au niveau des instances internationales, à dit, tu vois, faudra que l'arrêt de le Mac. Belé, la Kabylie n'a mandaté personne. Voilà, Agma. Après, il y a un voilà, c'est le référendum et le Mac. C'est tout. C'est un référendum et le Mac. Bravo. Ah oui, vous faites un travail, vous jouez soi-disant les algérianistes, vous jouez l'unité nationale, mais vous attaquez la pétition. C'est injuste, c'est contradictoire en tant que soi-disant algérianiste. Voilà, c'est le merci, Kegma. Non, je crois que contre le projet de séparatisme, c'est bon. Il faudrait pas que ce soit tous ces gens qui travaillent contre ce projet de séparatisme. Non, on doit faire très attention aux infiltrés, parce que le Mac il a changé de stratégie, il a beaucoup d'infiltrés, attention, faites très très attention. C'est là qu'il y a un jeu vraiment très important à qui qu'on doit faire très très attention. Le Mac il veut de l'œuvre. Il y a plein de personnes qui mettent le drapeau algérien et jouent les algérianistes, mais en travaillant pour le Mac. Ça, il faut le dire. Juste un dernier mot,
voudrais qu'on laisse un petit peu de côté les animosités, les querelles, etc. Chacun, les aborigènes, les chiens qui les combattent, les séparatistes, et tout ça, أجمعني اسمح يا أحمد أجمعني نير مون ديرني مو اون دومي فان دومي فان 2019 اسمي بدي غتسنا غنكا بغد الماك يمجو هذا كي وكذا كي يمجو هذا المود مي 62 يولي نسادرار باش كنا نسعو لي كارت المجاهدين ابري 5 جويي وكذا كي بور ما سي دلا ريغولا دينا دقرني اختي دون 2020 وانت تصامت وانا غلي اللايف دو سيرتا كي ريبيتيني دقر اون 2020 الور 2020 اللي واحد يشور لو تيرا يا في 200000 باج كي ماتاكي جيت اوبليجي ولا غير تمر سينو هذا متاع اش كي كان دوك بزيزنا كي دير يدي الور كيني ذا شو ذا الماك او هذا لعب ثاني مير تقمع الور Je excusez-moi, donc voilà, en fait, pour les demandes aux guests, je vous assure que je m'occupe personnellement de tout ce qui est modération. Donc voilà, pour celui qui veut monter aux guests, il n'y a aucun problème, pour qu'il exprime un avis, il n'y a aucun problème. Mais au préalable, à condition qu'il écrive dans le commentaire « Abat le Mac et vive l'Algérie !» Sinon, « Où lèche le guest, où lèche ?» C'est merveilleux, bravo. De live, voilà. On vous connaît maintenant, on les connaît. Vous nous avez berné des mois durant. Vive la pétition, vive ceci, vive cela. Après, nous vous avons tous débusqué. Nous avons suivi vos lives. Nous vous avons enregistré. Alain Payet, vous voulez monter, il n'y a aucun problème. Écrivez-moi, je ne vous connais pas. Écrivez en bas, le bac. Vive l'Algérie unie et indivisible. Merci. Allô? Allô? الو متر بركانه ولا غوري شنو كاش كي جو دري راه جوتي كوم ادريسيسمون نوتر امي كي فيان دو بوز لا كيسيون مي سي هاب الحاج الناس وي لا ريزون بيتر كاش كي جو دو كي فامي روش امي روش نعمل نيمبورت كي اي ليب دو ديسكي لو فو اي مون كاش كو سا ريسبونسابيلتي اي مون كاش كو سا بيرسون اي مون كاش با لا بيتيسيون كونتر دو كيلكو شوز لا بيتيسيون سي اون بيتيسيون بوبولير الا بارتين ا تو لو بوبل Et que moi-même, si je vais dire quelque chose qui va à contre-courant de la pétition, ça n'engage que moi, ça n'engage pas la pétition. Pourquoi essayer de coller la pétition à Amir Rouge? Pourquoi essayer de tout faire pour lui donner une certaine identité? Ah, ils m'ont donné pire que ça. Je suis là, je vous ai donné une heure, je suis là, je vous ai dit. Allah, moi, j'en ai aucun lien, non? Ah, ça serait fini, ça serait délire, un kiné qui nerveux de moi. Donc, ben, tout est le problème. Dans le sens où il y a un problème. Monsieur, ça engage la pétition, non? La pétition, elle est encadrée par une motion qui est publiée qu'on ne peut pas déroger. La pétition, elle est encadrée par un texte. Tu ne peux pas ni le traduire, ni lui donner une autre interprétation. C'est un texte qui est très, très clair. C'est un texte assommant. Donc, essayons de trouver autre chose. Essayons de trouver des subterfuges pour attaquer une personne. Ça, c'est leur problème. Mais ça non, mais digne d'amour, je n'ai de dîner ici ou Amiro, ça n'engage que sa personne. Ça n'engage pas la pétition, ça n'engage rien. Alors moi, je décide de me retirer de l'initiative citoyenne. Est-ce que c'est l'initiative citoyenne qui risque d'être inquiétée? Il faut faire la part des choses, tout simplement. Merci. Juste un petit mot, maître, hein? un petit mot. Effectivement, ben, c'est normal, Amiro. Il peut dire ce qu'il veut, mais le problème, où est le problème? C'est qu'Amir Roche, il est suivi quand même. Il a une certaine, crédibilité. Il est suivi, il y a des gens qui le suivent. C'est non. Par rapport à ça, c'est oui, tout. Oui, je sais, mais non. Bien sûr, je suis d'accord, il est. Monsieur, je voulais vous dire, ça veut dire, il ne faut pas dire, qui dit Amir Roche, dit pétition, non. Qui non. Dit Amir Roche, dit... qui est libre de dire ce qu'il veut, mais ça ne veut pas dire que la pétition est collée à Amir Rouge. La pétition n'appartient à personne. Nous ne sommes que des animateurs, elle n'appartient à personne. Donc, il y a des gens qui sont les gens de monsieur la pétition qui sont. Est-ce que vous m'avez compris? Je ne parle pas de pétition. Mais il y a Amir Rouge, quand il a fait le live venir. C'est là, c'est le truc, c'est pas dans la, c'est pas
dans la pétition. La pétition, chacun. C'est un bonhomme qui est suivi, les fonds inus, etc., etc. Donc, il y a des gens, quand ils entendent le truc nier, ils se posent des questions. Il faut dire des choses clairement à mettre quand même. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est ce que je voulais dire et c'est tout. Mais ce que je voulais dire aussi, moi, ce que je vais dire, c'est pas parce que je vais le défendre. Mais pour comme étant artiste qu'il est, il faut pas prendre au premier degré ce qu'il dit. C'est un artiste. Mais non, maître Berkane, non, ils ont manipulé une idée. C'est ça le problème. Ça. C'est pas parce que une artiste doit chez nous qui donne rien. Oui. Je peux dire un mot à maître Berkane, s'il vous plaît. Je peux dire un mot, allez. Alors, vas-y, maître Berkane, il parce que, d'après ce que j'ai entendu, parce que ça fait longtemps que je monte à l'allemand, et dans n'importe quel âge, ça fait pratiquement quand même de maintenant. C'est-à-dire, la pétition, ils ont fait carrément, avec le MAC, ils ont fait carrément, avec la pétition, la Belgique et le CDC. Voilà, un CDC, c'est-à-dire que, mais il y a un mélange. Les gens ont mal interprété la vidéo et du Khadum. Ce ne sont pas de référendum. Par la suite, il a très bien expliqué. Un mec, je suis voisiné, il a déjà expliqué bien avant aujourd'hui. Mais ils ont réussi à faire croire à tout le monde qu'Amir Rouge, il est chez lui. Et une seule pétition à Guy, c'est lui qui l'a créée. Or, la pétition appartient à tous les Algériens, c'est une initiative citoyenne qui appartient à tout le monde. Maintenant, Merkelade, mais personnellement, on m'a accusé, le rapport à Merkel, on m'a accusé, même à Gauchier, j'ai accusé, mon nom circule un peu partout, donc, les insultes, les injures, de façon arbitraire, bien. C'est tout. C'est ça qui fait qu'on voit Mashabed, mais qu'ils avaient pas vacciné. Ils ont réussi à faire croire à tout le monde que la pétition est amère rouge. C'est pour ça que, la région doit comprendre que Maître Berkane venait d'expliquer clairement que la pétition n'appartient à personne d'abord et n'a ni responsable ni chef. Il appartient à tous les nationalistes, à tous les Algériens, à toutes les personnes qui aiment leur patrie. Voilà. Nous sommes derrière la patrie, notre patrie. Nous mourons pour notre patrie. Vive l'Algérie. Vive la pétition qui va aboutir à quelque chose de bien. C'est le même choix. Je vais mettre la Berkane. Comme la Walika, notre Berkane. Mais en guide d'Adi, mais c'est additionnel parce que j'ai eu un coup de fil, donc ça s'est coupé. Allô. Oui, excellent. Non, non, merci, ça s'est coupé parce que j'ai un coup de téléphone, c'est pour ça que ça s'est coupé. Déjà, la vidéo est déjà, elle a été non seulement mal interprétée, mais j'allais dire, elle a été truquée déjà d'emblée. Ils l'ont triturée pour faire sortir le message né. Exactement. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on est en recours à de telles pratiques ignobles. Ça ne fait que renforcer non seulement notre démarche, et réconforter dans notre position que le travail d'initiative citoyenne qui se fait sur le terrain actuellement et la pétition, c'est l'arme fatale qu'on va utiliser contre le MAC. Je dis et je le redirai encore une fois, l'acte de décès du MAC est en train de s'écrire. Tout simplement. Tan merci, Tam Karant. Mounir, khouya, salam alaikum. N'atelou kelman, Mounir. Wa alaikum, salam, rahmatullahi ta'ala. Marhaba bik, parmi nous, frère. Allah yisalmak, barakallahu fik. Ana, wahed mi'abdullah, al-Hassan Samt. يعني مظاهرة ضد المشروع تاع طرحة مهني. هذا هو. حاجه واحده مثل سنتاج هذا واحد ما عبد الله مهبول ولا ما فهمتش كيف راه يخمم
لا هو كيخرج كيخلص العبل بدا هو فوالا بالك بالك مثلا ما مثل ما الى با بري ان لو فون واش داروا نو زونسيتر من بكري وكذا دي فضلوا فضلوا ايزو بريبيري ايزو اوبتي بور وخيروا ياكلوا الحشيش وما يتبعدوش على دينهم ويبقوا وطنيين. نهار اللي ملحوا نتاع شارل دوغول قال له نعطي لك نعطيكم لا ليبرتي خاوتنا في البلاد المسلمين، قال له لا لا صحراء قسنطينة الجزائر اي ولايه بهذه بلادنا هذه مازال ما فهمهاش ما فهمتش وبورتون الاخر يستعملوه ومازال هكاك ويباغل على اسم القبائل وكذا وما يعرف عليهم والو زعما بابا الله يرحمه مجاهد وكذا